Bonjour, je vous présente Pascal. Pascal, elle est venue pour se faire couper les griffes et pour un petit check-up, parce que tout va bien. Et pourquoi je vous présente Pascal? D'abord parce qu'elle est très jolie et très gentille. Donc c'est vrai qu'elle est gentille et donc elle est facile à manipuler, on peut montrer des choses. Et puis surtout parce qu'elle a quelque chose de vraiment intéressant et qui se voit très très bien à cause de sa qualité de poil. Pascal, c'est un cochon d'Inde Teddy, donc ils ont un poil un petit peu en paillasson. Et regardez, il y a quelque chose qui pourrait inquiéter si on n'est pas au courant un propriétaire de cochon d'Inde. Vous voyez comment il n'y a pas de poils ici? Ce n'est pas du tout un champignon, ce n'est pas la teigne, parce que si on regarde, il n'y a pas de poils ici non plus. Voilà. Et donc, ça ne doit pas vous inquiéter. C'est une zone normale sans poils chez les cochons d'Inde. Parce que parfois, on vient nous voir, on nous dit, bah oui, mon cochon d'Inde, il a ça, et on nous parle qu'il a un champignon. Non, à cet endroit-là, c'est normal. Et comme Pascal, elle est gentille, hein, on va en profiter. On va essayer de vous montrer ses dents. Ah, ma poulette. Tu veux bien? Oui, tu es mignon. Donc, vous voyez, c'est important de baisser la lèvre comme ça. Et là, on se rend compte de la longueur réelle des dents de cochon d'Inde. Et ça, c'est normal. Il ne faut surtout, surtout pas couper ses dents sous prétexte que les dents du haut sont plus petites que les dents du bas. Non, 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 c'est normal. Hein, il faut bien photographier ça. Ça, il ne faut surtout pas y toucher. Hein? Voilà. Bon, tu vas rentrer à la maison. C'est tout. On arrête. T'as fait ta star, mais c'est fini. Voilà.